Bon, les élèves, on va faire une pratique guidée aujourd'hui. Alors, on a déjà vu le modelage d'une démarche pour planifier un texte littéraire. Et là, on a Geneviève, la volontaire, qui a bien voulu se prêter au jeu. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va refaire la démarche que vous avez observée en modelage. Elle va le faire à haute voix, que vous puissiez l'observer. Et moi, je vais lui donner des commentaires au besoin pour l'aider. Alors, le but, c'est vraiment d'intégrer la démarche qui a été enseignée. Et vous, qui êtes observateur, ben, ça vous aide aussi à intégrer cette démarche-là. Donc, ça va, Geneviève? Oui. Je peux commencer tout de suite? Oui, bien sûr. Bon, tâche d'écriture sur le texte « Le crime de Saint-Bernabé ». Donc, ça, c'est le texte que j'ai lu. Il y a une case à gauche, c'est marqué « Ce qu'on attend de moi ». La tâche, ça dit « Écris la suite de ce récit policier ». Ah ben, ça, je vais le souligner tout de suite parce que c'est important dans ma tâche. Il faut que j'écrive la suite. « Rédige une péripétie ». OK, ben ça, c'est plus précis. Je vais le mettre aussi. « Entre 75 et 125 mots ». Ça aussi, je pense que c'est important. Qui pourrait être inséré à la suite de l'élément déclencheur. Bon, ça, c'est le texte que j'ai lu. Dans celle-ci, on doit découvrir une partie des caractéristiques psychologiques de l'inspecteur Renoveau. OK, ben je pense que c'est ça, là. OK. D'autres choses à rajouter avant de... Est-ce que tu as ton aide-mémoire pas loin pour voir si tu as fait toutes les étapes? Ouais. Ah ben, il faut que j'annote la tâche, puis il faut aussi que je résume dans mes mots ce que j'ai compris. Ben, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que j'écrive une suite courte, donc juste une péripétie du récit policier que j'ai lu. Ah, mais je pense que j'ai oublié quelque chose. Par exemple, faut que j'inclue les caractéristiques psychologiques de l'inspecteur dans mon texte. Ça aussi, c'est important. Super. OK. C'est-tu correct? Oui. OK. OK. Ben après, il faut que je fasse mon remue-ménage. Donc, je dois trouver des idées. Donc, pour écrire la suite, donc dans le texte, on voyait là, l'inspecteur là, qui arrivait. Là, le meurtre venait juste d'avoir lieu. Donc là, je vais écrire toutes les idées que j'ai. On a vu que le détective est intelligent parce qu'il a vu clair dans le jeu de la femme du monsieur qui est mort. Parce que en tout cas, ça disait qu'elle jouait un rôle de veuve inconsolable, mais ça n'avait pas l'air d'être vrai. Puis je pense que c'est une bonne idée. On disait aussi qu'il n'y avait pas de témoins. L'inspecteur, il va analyser ses options, puis il va aller interroger la personne la plus louche, c'est la femme, dans le fond. Après, il pourrait décider de la faire suivre pour mieux la connaître. Après, il pourrait interroger le voisinage. On a vu dans le texte qu'il y avait une grosse femme dans le village là, qui sait tout sur tout le monde. Puis, c'est ça. Je pourrais finir mon extrait de texte en disant que ben il y a un bon flair d'inspecteur parce que il sent qu'il a déjà trouvé la coupable. Donc, c'est ça. C'est mes idées pour mon remue-ménage. Après, c'est le plan, mais là, toutes mes idées sont là. J'ai pas besoin de faire un plan ici. Ils sont là, mes idées. Mm-hmm. Là, ça, c'est la feuille hein, qui t'aide un petit peu là, à faire ta planification, mais il faudrait que tu te réfères à ta démarche après le remue-ménage. Qu'est-ce qui vient? Ben, c'est faire le plan. Il faut que j'écrive les idées que je veux développer dans mon texte.
OK. Puis, ah oui, mais c'est ça, dans le, quand on fait le plan, là, c'est pour faire le ménage dans les idées. Mm-hmm. Donc là, dans le fond, il faut que je vérifie si les idées que j'ai là, si c'est un ordre logique, mm-hmm. puis si ça progresse bien, puis je dois m'assurer que les idées sont elles se contredisent pas entre elles, puis elles contredisent pas le texte non plus que j'ai lu. Puis, ben c'est ça, faut que je vérifie si je peux déplacer des idées, ajouter des idées ou enlever des idées. OK, donc la différence que tu fais, toi, entre le remue-ménage puis le plan, c'est? Ben c'est que c'est le tri dans les idées. Ah, OK. Ça, c'est toutes les idées que j'ai eues, mais sont peut-être pas toutes bonnes à garder. Donc, je vais les copier ici pour pouvoir les travailler. Donc, si je regarde mes idées... bon, intelligent, vue claire dans le jeu de la femme, ça je pense que c'est bon. Pas de témoin analyse ses options, il va aller interroger la plus louche. Puis là, après, il va décider de la faire suivre. Moi, je suis pas sûre que c'est logique, ça. Je pense que avant d'aller l'interroger directement, je pense que ce serait mieux qu'il décide de la faire suivre pour mieux la connaître. Je pense que ça, ce serait pas bon de le garder. Ouais, il va pas faire ça tout de suite. Décide de la faire suivre pour mieux la connaître. Puis après ça, interroger le voisinage, la grosse femme qui habite dans le quartier. Ben là, il est déjà sur place, là. Puis la femme est là sur la scène. Ce serait peut-être plus logique qu'il interroge la femme en premier. Je vais changer de place. Je vais me mettre là. OK. Bon flair, il sent qu'il a déjà trouvé la coupable. Ah, mais ça, je pense que c'est pas bon. Parce que dans le texte, là, ça disait que il y avait des preuves évidentes qu'il y avait plus qu'une personne qui était impliquée à cause des traces de pas. Fait qu'il y a pas... Si la femme a quelque chose à voir là-dedans, ben, elle est pas toute seule, c'est sûr. Donc, je pense que je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter empreinte... Montre, plusieurs, assassins. Dans le fond, on se demande c'est qui les complices de la femme. OK. Donc ça, je l'enlève. Je pense que c'est pas bon. Puis ça non plus, c'était pas bon, je l'ai enlevé. OK. Donc c'est ce que je garderai de mes idées pour écrire mon texte. Wow! T'as terminé avec ton aide-mémoire, là, la démarche? Ben, je pense que oui, là. J'ai analysé ma situation, je l'ai résumé, j'ai écrit mes idées, puis après ça, j'ai fait le ménage dans mes idées. Parfait! Puis on voit une belle différence entre ton remue-ménage et ton plan. C'est une belle amélioration que t'as fait. Donc, t'es prête à écrire ton texte, puis il va être bon! Bonjour les élèves, aujourd'hui on va faire une pratique guidée alors pour pouvoir consolider la démarche que vous avez observée en modelage, la démarche pour planifier l'écriture d'un texte littéraire. Alors on a une volontaire, Geneviève, allô? Allô? Qui va faire la démarche à haute voix et moi je serai là pour la guider. Et vous les élèves, c'est important de bien observer parce que ça vous permet en même temps de vous remettre la démarche en tête. Donc... Alors, la démarche, on l'a ici, tu l'as sur ton bureau, Geneviève. Vous, les élèves ici, vous l'avez. Donc, c'est important de bien la suivre là, pour voir si tout se déroule bien. Alors, on commence. Donc, c'est ça, c'est une tâche d'écriture sur le texte « Le crime de Saint-Barnabé ». Donc, Geneviève, il faudrait que tu commences à lire la situation d'écriture. Écris la suite de ce récit policier. Rédige une péripétie entre 75 et 125 mots qui pourraient être insérés à la suite de l'élément d'éclat. Dans le fond, là, tu es en train de tout lire ça, mais tu t'en rappelleras pas si tu lis ça trop vite. Donc, ça serait important que tu soulignes les choses, les éléments essentiels. OK. Ben, écris la suite de ce récit policier. Ben, ça, c'est important. Ouais. Faut que j'écrive la suite. Rédige une péripétie, ça c'est important. Le nombre de mots aussi, hein, c'est important, pas que ce soit trop long.
Oui, OK. Fait que ça, je souligne ça. OK, qui pourrait être inséré à la suite de l'élément déclencheur. Dans celle-ci, on doit découvrir une partie des caractéristiques psychologiques de l'inspecteur Renozo. OK, donc ça aussi, c'est important. Il faut que je le mette. Là, tu as un rectangle. Bon, pourquoi tu penses qu'il est là, le rectangle vide à gauche? Il sert à quoi? Je pense que c'est pour. Faut que je reformule ce que j'ai compris. Parfait. Fait que qu'est-ce que tu pourrais reformuler? On pourrait dire quoi? Il faut que j'écrive une suite courte. Du récit policier. Ouais, c'est ça. Ah, oh, super, t'as bien compris. OK. Continue. OK, après. Ah, le remue-ménage, tu te rappelles, hein, c'est toute ta tempête d'idées, là. Toutes les idées que tu as dans ta tête. OK, ben je vais écrire mes idées. Wow! Donc, ça, c'est toutes tes idées, OK? Parfait, ça. Quand je lis tes idées, là, je les trouve vraiment très bonnes. Par contre, tu sais, tu dis que c'est un gars intelligent, puis là, il va tout de suite interroger la femme la plus louche. Il me semble que c'est pas une preuve d'intelligence. Si j'étais toi, là, je ferais interroger le voisinage avant. Fait que tu devrais OK. déplacer l'idée selon moi. OK. OK. Donc, je mets interroger le Ouais. voisinage avant ça, Ouais. ici. Ouais. OK. Puis le reste, ben, moi, je trouve ça bon. Là, t'as plein de bonnes idées. OK. Fait que j'ai pas d'autres changements à faire. Non, moi je pense pas.